Bonjour à toutes et à tous, ceux qui étaient là, ceux qui viennent de nous rejoindre. Et je voulais vous adresser un merci particulier. Alain Finkielkraut est venu avec ses idées. Beaucoup étaient d'accord, d'autres étaient en désaccord total. Et il s'explique en ce moment, il se parle. Les gens qui n'étaient pas d'accord viennent. Je suis allé le voir là et vient de lui dire sur ça, ça va pas et ça va pas et je suis pas d'accord avec ça. Voilà. Et je vous parlais de l'esprit dans lequel on organise ces rencontres depuis 6 ans. Ça fait du bien de voir ça. Voilà. Je voulais remercier Paloise et Palois parce que il fallait le faire. Respectueux, intelligent. Merci. On nous avait promis des désastres et l'intelligence a gagné. Toujours une belle victoire, ça, franchement. Ça fait plaisir. Alors, on va recevoir maintenant Amin Maalouf, qui n'est pas invité seulement parce que c'est un des plus grands romanciers français, parce qu'il a écrit des romans magnifiques, dont l'un était couronné par le prix Goncourt en 1993, c'était Le Rocher de Tanyos, pour ceux qui l'ont lu. On ne le reçoit pas seulement parce qu'il est membre de l'Académie française, comme celui qui vient en ce moment de signer. Une Académie française qui a son rôle dans la défense du français partout. Et donc, voilà, Amin Maalouf, qui vient d'ailleurs, passe beaucoup de son temps à défendre la langue française, le génie français, la littérature française. Et né au Liban, il a épousé ce que notre pays a fait de plus beau. Et ça fait plaisir, des deux côtés, de voir ça. Et la raison pour laquelle il est ici ce soir, indépendamment de toutes les précédentes, c'est la suivante. C'est un homme de deux mondes. Deux mondes. Oriental, occidental. Premier deux mondes. Deuxième deux mondes. Il a connu le paradis. Il est né dans des contrées où tout le monde parlait à tout le monde, quelle que soit la religion, quel que soit le niveau de fortune. C'était vraiment, lui-même le dit, un paradis. Et sa ville natale a été détruite sous ses yeux. L'enfant du paradis a connu l'enfer à la porte de son immeuble, obligé de partir parce qu'il avait une femme qui est là, que je salue, et un petit enfant à l'époque. Deux mondes. Ce n'est pas quelqu'un qui parle comme un universitaire habituel de la guerre, de la paix, non. Et dans le livre dont on va parler, il y a cette différence énorme entre tous les livres qu'on peut lire de géopolitique et puis le livre écrit par quelqu'un qui a vécu ces deux mondes. Vous verrez que le regard n'est pas le même, que c'est autre chose. Et un peu comme Finkielkraut tout à l'heure, il parle avec non seulement la tête, mais tous, la mémoire qu'il porte et tout son corps avec lui. On sent que c'est un engagement et une préoccupation qui est beaucoup plus importante que l'expert du coin qui vient et qui a 5 ans d'études et qui vient vous expliquer le monde. Vous voyez ce que je veux dire? Différence, grande différence. On va l'écouter maintenant. Merci. Un petit secret en passant, nous nous connaissons depuis, enfin, je te laisse dire, mais... Depuis au moins 44 ans, peut-être un peu plus. C'est vous dire. Comme nous avons tous les deux 50 ans, ça veut dire qu'on était... Je me souviens du dernier jeu de billes, c'était... oui, juste un mot sur... l'homme des deux mondes que vous êtes. On dit souvent, pour les gens à double culture, on dit ça doit être compliqué une double culture, c'est un poids, comment faire, sacrifier l'une pour l'autre, etc. Juste un mot, vous étiez journaliste dans le plus grand quotidien arabe, Anhar, vous écriviez en arabe, c'était votre langue de travail,
Et voilà que vous êtes pris Goncourt en langue française. Et donc, vous avez vécu, j'oubliais parmi les deux mondes ça, vous avez vécu les deux civilisations en même temps, pas simplement l'Orient, la culture arabe. Et vous avez porté ça comme une difficulté ou pas ? Au Liban, on dit que chacun naît avec trois langues dans la bouche, qui sont l'arabe, le français, l'anglais. Et j'ai toujours considéré que c'était un atout. L'arabe relie effectivement à tout un monde qu'il est difficile de comprendre quand on ne connaît pas sa langue. Le français a été pour moi très tôt une langue de culture, essentiellement à travers l'enseignement. Parfois, j'entends dire que le Liban est francophone parce qu'il y a eu le mandat français et ça fait partie de l'Empire. C'est complètement faux. Le mandat français, c'est 25 ans. C'est rien du tout. Ce qui a fondé la présence de la langue française au Liban, ce sont les écoles. Ce sont les missions religieuses ou laïques, oui, qui se sont installées depuis le XVIIIe siècle, même certaines avant, et qui ont fondé la présence de la langue. Elle s'est implantée là. Le mandat français de 18 à 43, c'était une parenthèse, ce n'était pas essentiel. Et c'est vrai que le français a été pendant très longtemps une langue importante au Liban. Il le reste un peu moins aujourd'hui, ce que je regrette. Comme dans d'autres pays, l'anglais a progressé aux dépens du français. Moi, je viens d'une famille où les deux langues européennes se pratiquaient, parce que la famille de ma mère était traditionnellement francophone. En Égypte, c'est ça ? Essentiellement en Égypte, où le français était la langue d'une bonne partie de la population. Et dans ma famille paternelle, c'était plutôt l'anglais. Et pour tout dire, dans ma famille maternelle était catholique et francophone. Ma famille paternelle était protestante et anglophone. Mais ça, c'est une autre histoire. C'était déjà compliqué. Je disais, vous avez connu le paradis. Vous commencez votre livre, donc ça s'appelle de Le naufrage des civilisations, je veux dire. Et donc vous parlez, vous ouvrez votre livre sur le paradis a existé. Et vous dites, toute ma petite enfance, mes parents m'ont raconté le paradis, que c'était de vivre à ce moment-là, et moi j'ai vécu le paradis. C'est à ce point-là que, quand vous avez ouvert les yeux sur le monde, vous étiez quoi ? Persuadé que tout était possible, que tout le monde pouvait se parler, qu'on avait des religions différentes, mais que ce n'était pas un problème ? Comme c'est souvent le cas, on découvre le paradis une fois qu'il n'est plus là. Ah oui. Je n'avais pas l'impression que c'était un paradis. J'étais même très critique par rapport au système qui était en place. Mais avec le recul, je me dis que ce que j'ai vécu au Liban dans les années 50-60 était incomparablement plus, je mets entre guillemets, paradisiaque que ce qui est venu après. Ce qu'il y a eu en Égypte pour une partie de la population, que je n'ai pas connu directement, mais que j'ai connu à travers ma famille maternelle, c'était également un moment privilégié. Il en reste quelque chose. Il y a eu un moment d'épanouissement culturel dans plusieurs langues. Le plus grand poète grec moderne est né et mort à Alexandrie. Il y avait un foisonnement culturel extraordinaire. Et
et aussi une douceur de vivre, qu'il s'agisse de l'Égypte de ces années-là, que, encore une fois, je n'ai pas connu, mais j'ai vécu toute ma vie avec ce récit de l'Égypte de ce temps-là. Mais ce que j'ai connu au Liban, dans le quartier où je vivais, il y avait des gens qui venaient de partout, qui venaient de toutes les religions et de tous les pays, et il y avait une qualité de relation entre les gens que je n'ai plus jamais retrouvée, ni au pays, ni ailleurs. Vous savez que ça existe, c'est ça la différence. Vous avez 100 fois raison. Le fait de l'avoir expérimenté, ah, oui, ça change quelque chose. On sait que cela existe, on sait que cela peut exister. Que c'est possible. Et donc, ça peut revenir. Ou alors, on peut bâtir sur cette idée. C'est vrai, c'est tout à fait vrai. Il y a quelque chose en moi qui dit constamment, c'est possible de vivre ensemble. Je l'ai vu. C'est possible, je sais comment ça peut fonctionner. Bon, évidemment, le monde d'aujourd'hui est beaucoup plus compliqué, mais quand j'entends parfois des gens dire, mais on ne peut pas vivre ensemble, ces gens sont trop différents, etc., je sais en moi-même que c'est faux. C'est compliqué, mais je sais qu'on peut vivre ensemble. Et qu'on s'y sent bien. Et que ce serait un progrès, mais c'est toujours difficile. Il ne faut jamais simplifier en disant il suffit de... Oui, oui. C'est compliqué. Organiser la vie de gens qui viennent d'origines différentes, d'horizons différents, c'est toujours compliqué. Et si on veut trop simplifier, on est sûr de se tromper. C'est une éducation quotidienne. On a parlé au lendemain de la Seconde Guerre mondiale de la culture de la paix. Je pense que c'est une notion importante. Il faut bâtir dans les esprits la culture du vivre ensemble. Il faut détecter ce qui ne va pas, détecter tout commencement de discrimination, tout commencement de fanatisation. Il faut aussi repenser la notion d'identité. Qu'est-ce que c'est l'identité ? Chacun a besoin d'une identité, mais l'identité n'a pas besoin d'être limitée à une appartenance, qu'elle soit religieuse ou nationale ou autre. L'identité de chacun d'entre nous est complexe et doit être assumée pleinement. Si quelqu'un vient d'un pays qu'il vit dans un autre, il faut qu'il puisse assumer pleinement son appartenance aux deux pays. Il faut qu'il soit un trait d'union entre les deux pays. Il ne faut pas qu'il soit contraint de choisir entre ces pays. Alors, vous étiez un journaliste au plus grand journal libanais et arabe même. Et en 77, si j'ai bonne mémoire, ou fin 76, vous décidez de quitter le pays. 76. Fin 76, avec votre femme et un tout jeune enfant. Et je me suis toujours dit, mais comment un journaliste qui est témoin de l'actualité peut-il quitter son pays au moment où il bascule ? Il y a tant de choses à expliquer. Voilà. Comment a-t-il pu professionnellement et humainement s'extraire ce jour-là de sa responsabilité, j'allais dire ? Peut-être. Comme vous le savez, j'ai grandi dans un milieu de journalisme. Mon père était journaliste. Oui. Journaliste. À 4-5 ans, j'allais avec lui à l'imprimerie. Je connaissais véritablement l'univers du journalisme depuis l'enfance. Dès que j'ai commencé à travailler, j'ai travaillé dans le journalisme, mais j'ai toujours eu une attitude dont je parle très peu. Je n'ai jamais fait du journalisme au Liban. Je n'ai jamais voulu couvrir les événements du pays. Chaque fois qu'il y avait un événement qui m'intéressait dans le monde, j'avais envie d'y aller. Je suis allé au Vietnam à la fin de la guerre, je suis allé en Éthiopie au moment de la chute de la monarchie. J'avais toujours envie de découvrir le monde à travers le journalisme et j'avais quelque chose qui me retenait d'être journaliste chez moi. Et
Une des raisons, ce n'est certainement pas la seule, mais une des raisons qui m'ont poussé à partir, c'est que les gens autour de moi ne s'intéressaient plus à ce qui se passait dans le reste du monde, parce qu'il y avait des événements tellement écrasants qu'on ne pouvait pas s'intéresser à autre chose. Et ça, ça ne m'intéressait pas. Je n'avais aucune envie de commencer à écrire sur mon pays. Et toute ma carrière de journaliste, qui n'est pas très longue, je l'ai faite ailleurs, en essayant de découvrir le monde. Est-ce que le fait que vous ayez assisté à l'étincelle qui a mis le feu à votre pays a compté ? Ça a beaucoup compté, et c'est curieux parce que j'allais, comme je viens de le dire, dans des pays où il se passait quelque chose. Assister à la bataille de Saïgon, je voulais assister au renversement de la monarchie éthiopienne. Et l'événement le plus déterminant auquel j'ai assisté, ce n'était pas du tout en tant que journaliste, c'était simplement en tant qu'habitant de la ville. Il se fait qu'un jour, l'événement qui a déclenché la guerre du Liban s'est passé sous ma fenêtre. C'est un pur hasard, mais c'est vrai que ça détermine le reste de la vie. Quand j'ai vu cet autobus qui était arrêté à une petite place au-dessous de la maison, j'ai vu des gens qui se disputaient, puis j'ai entendu la rafale, puis j'ai vu des cadavres dans la rue. Tout cela, c'était véritablement le début de la guerre, mais tout cela était un hasard. C'est simplement parce que ça s'est passé à cet endroit, ça aurait pu se passer 500 mètres plus loin, ou un autre jour. Et c'est vrai que le fait de voir le début de la guerre dès le premier jour a fait que j'ai pris mes décisions beaucoup plus vite que d'autres. D'autres pensaient que la guerre allait arriver plus lentement, qu'elle allait durer moins longtemps. Moi, j'ai compris très vite que la guerre était là, qu'elle allait durer très longtemps et que je devais prendre des décisions. Je corrige une petite chose que vous avez dit. Oui. Quand nous sommes partis, nous avions déjà 3 enfants. Ah bon? Donc, c'était vraiment une famille déjà un peu nombreuse. Et il fallait vraiment éviter... Ça, c'était mon obsession. Il fallait éviter que mes enfants vivent dans une atmosphère où ils auraient pris les armes à l'âge de 14 ou 15 ans pour tuer quelqu'un ou se faire tuer. Ça, je ne voulais absolument pas traverser une épreuve pareille. Est-ce que vous pensiez, quand vous êtes venu en France, que vous seriez un jour romancier, académicien ? Quand vous êtes venu en France, vous aviez ce rêve-là ou bien c'est arrivé au fil des jours ? Je n'y pensais pas. J'ai toujours eu envie d'écrire, mais j'ai toujours pensé, pendant très longtemps en tout cas, que écrire des romans allait être pour moi une activité cachée, secondaire, à côté de mon vrai métier. Et le basculement a eu lieu en 84. Essentiellement. Je venais de publier un livre sur les croisades et j'avais envie d'écrire un roman. Et j'ai commencé à écrire ce roman qui allait s'intituler Léon l'Africain. Et là, je me souviens encore de la phrase que j'étais en train d'écrire quand je me suis dit j'ai envie de consacrer ma vie à l'écriture. À l'écriture. Et là, tout a basculé. Donc, il y a maintenant 35 ans. Dans ce livre, vous notez ce qui est, à votre avis, est le point de départ de tout ce qui nous arrive aujourd'hui. Et à ma connaissance, vous êtes le seul à avoir mis cette date-là. D'autres parlent du mur de Berlin. Certains parlent des tours, les Twin Towers aux États-Unis. D'autres, les guerres. Et vous, vous dites, et c'est là où je vous ai trouvé... homme des deux mondes, c'est-à-dire parce qu'il fallait probablement venir de là où vous veniez pour le saisir.
c'est l'année 1979. Elle est notée nulle part. Elle ne reste pas comme une grande année du siècle. Et pour vous, c'est l'année, les 6 mois. En 6 mois, le sort du monde a changé. La direction du monde a changé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez noté cette date quasiment seule parmi tous les gens qui nous parlent de ce qui nous arrive en ce moment ? En tant que journaliste, et même avant, en tant que fils de journaliste, j'ai toujours suivi l'actualité de très près. Ça a toujours été ma passion. Et je peux dire que j'ai en mémoire les événements des 60 dernières années, depuis que j'ai ouvert les yeux sur le monde. Et à travers ce livre, ce que j'ai voulu faire, c'est me poser une question. Comment en sommes-nous arrivés là ? À quel moment il y a eu un basculement ? Nous sommes dans un monde qui, dans certains domaines, a progressé d'une manière inouïe. Les progrès scientifiques, technologiques sont sans équivalent dans l'histoire et les progrès économiques également. Jamais je n'aurais pensé que la Chine allait sortir aussi vite de ce développement. On vit une époque inouïe. Et en même temps, c'est une époque inquiétante où des choses ne fonctionnent pas bien. Il y a 20 ans, j'ai écrit un livre qui s'intitulait « Les identités meurtrières » parce que j'avais le sentiment que l'un des principaux problèmes dans le monde d'aujourd'hui, c'est la notion d'identité et le fait que nous ne vivons pas la notion d'identité, nous ne la pensons pas comme il faudrait. Il y a 10 ans, j'ai écrit un autre livre qui s'appelait « Le dérèglement du monde » parce que j'avais le sentiment que le monde fonctionnait mal, qu'il n'y avait plus d'ordre mondial digne de ce nom, qu'on était en train d'aller vers la loi de la jungle. Et avec tout cela, je me disais, comment en sommes-nous arrivés là ? Qu'est-ce qui a fait que ce monde s'est déréglé ? Et plus je me remémorais, plus je lisais, plus un moment dans l'histoire revenait, qui m'est apparu de plus en plus essentiel, c'est effectivement l'année 79 et ce qui l'entoure. Il y a 2 événements d'abord cette année-là. Février 79, la révolution iranienne, qui a été un moment très important parce que je pense que le déchaînement identitaire qu'il y a eu dans le monde a été cristallisé à ce moment-là. Surtout que la même année de 79, la même année de la révolution iranienne, était l'année du début de la guerre d'Afghanistan, du début du djihadisme en Afghanistan. Donc il y a quelque chose qui a basculé cette année-là. Il y a eu aussi l'attaque de la Mecque en 79. Oui. Donc beaucoup de choses se sont passées. Il y a un autre événement pivot qui s'est passé 3 mois après la révolution iranienne, qui était l'arrivée de Mme Thatcher au pouvoir. Quel rapport ? D'abord, l'arrivée de Mme Thatcher au pouvoir était très importante. Il a marqué le début d'une nouvelle manière de gouverner dans le monde, où on réduisait le rôle de l'État, où on pratiquait une sorte, aujourd'hui le mot est un peu plus à la mode, mais ça ne l'était pas, une sorte de capitalisme décomplexé. Cette année-là, quelque chose a commencé, qui s'est répandu très vite, de l'Angleterre aux États-Unis avec Ronald Reagan. Puis partout dans le monde, il y a d'énormes nouvelles dans la manière de gouverner qui se sont installées. Et il me semble que ces 2 événements ont été des événements charnières, l'un en cristallisant le déchaînement identitaire, l'autre en cristallisant une nouvelle manière de gouverner où l'État
se retire. Se retire. C'était où, par exemple, l'idée d'égalité recule. On a des chiffres aux États-Unis très intéressants. Avec le président Roosevelt, le New Deal du président Roosevelt, l'écart entre les différentes couches sociales a commencé à rétrécir. Et quand on voit les chiffres, il a continué à se rétrécir jusqu'en 1979. Et d'après les chiffres du Trésor américain, puis il a commencé de nouveau à s'élargir. Et aujourd'hui, nous sommes à une période où les écarts sont probablement plus importants qu'ils ne l'étaient à la fin du 19e siècle. Qu'est-ce qu'il y a de commun entre ces deux révolutions? C'est tout simplement que ce sont des révolutions conservatrices. Madame Thatcher appelait sa révolution la révolution conservatrice. Ouais, ouais. En Iran, on parlait de révolution islamique, mais dans les deux cas, ce sont des forces conservatrices qui sont devenues révolutionnaires, qui se sont proclamées révolutionnaires, et les forces qui étaient traditionnellement les forces de progrès sont devenues conservatrices. Elles n'ont plus eu d'autre objectif que de préserver les acquis. Et de ralentir. Et ce changement idéologique dans le monde, nous le vivons encore. Nous vivons une époque où il y a un conservatisme militant et conquérant et un progressisme en recul et défensif. Mais comment se fait-il que parce que les dirigeants sont élus. Les dirigeants sont élus, y compris Mme Thatcher. Comment se fait-il que les peuples aient porté au pouvoir cette révolution, par parenthèse, révolution conservatrice, vous imaginez le désordre dans la pensée de... Hein, c'est quand même deux termes. La question que vous posez est intéressante. Je crois que ce n'est pas la volonté simplement d'une personne. Ce n'est pas Mme Thatcher et ce n'est pas M. Reagan. Je pense qu'il y a eu des changements réels dans la société. Ce serait trop long à expliquer, mais... d'un côté, il y a l'échec du système communiste qui devenait de plus en plus évident. Et, et à un moment donné, il y a un changement dans l'attitude de l'Occident à l'égard du monde communiste. Pendant très longtemps, on a voulu concurrencer le monde communiste sur le plan social, puisque, par définition, le communisme... faisait de la surenchère, si l'on peut dire, sur le plan social. Et le capitalisme n'arrivait pas à suivre. Et à un moment donné, le capitalisme s'est mis pleinement au social et il a réussi. Contribué, en tout cas, beaucoup. Il a réussi à créer véritablement un capitalisme social. Jusqu'au moment où le communisme a fait faillite, pratiquement. Et là, il y a eu des voix qui se sont élevées pour dire, mais nous n'avons plus besoin de faire du social. De toute façon, ça se fera. Les couches qui pouvaient être tentées par le communisme n'ont plus d'endroit où aller. Ce qui est un peu vrai. C'est-à-dire, on le voit aujourd'hui, il n'y a pas une idéologie de remplacement, il n'y a pas une alternative. Et donc, au bout de 40 ans, on voit aujourd'hui les gens qui sont perdus, qui se soulèvent en disant mais nous sommes marginalisés dans nos sociétés, et ça arrive, c'est un phénomène qui est en train de devenir global. Mais c'est vrai que l'échec de l'alternative communiste a libéré quelque chose en Occident, une forme de capitalisme conquérant qui disait mais on n'a pas besoin de toutes ces... de faire semblant, on n'a pas besoin de d'entrer en compétition avec le communisme. De toute façon, on a gagné, c'est pas la peine. Alors pourquoi ça nous a amené au naufrage, pour reprendre le titre du livre? Le sentiment de naufrage, je l'ai eu en observant le monde tel qu'il est aujourd'hui.
Il y a une forme de naufrage moral qui touche le monde entier. Il suffit de regarder vers Washington ou vers Londres, pour citer deux grandes démocraties, pour voir qu'il y a un véritable naufrage moral. Pas besoin de faire un dessin, il y a un naufrage moral. Le communisme a fait faillite, mais le capitalisme, on le voit, a atteint ses limites. On voit aujourd'hui qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne plus. Les grandes religions sont très contestées, les unes frappées par des scandales de toutes sortes, les autres plombées par la violence et le fanatisme et le terrorisme. Est-ce qu'il y a une idéologie aujourd'hui qui rassemble ? Il n'y en a plus. Est-ce qu'il y a véritablement un système qui convainc ? Il n'y en a plus. Nous sommes dans un monde où il n'y a plus d'ordre mondial, où on est vraiment... C'est la loi de la jungle. On parle toujours de l'Occident, mais il n'y a plus d'Occident organisé comme avant. Bon, l'Amérique dit l'Europe, ce sont des rivaux, ce ne sont plus des alliés. Le président Macron dit l'OTAN est en état de mort cérébrale. Nous sommes dans un monde en plein morcellement. Décomposition. En pleine décomposition. Il y a, au tournant du siècle, il y avait la fameuse théorie de l'affrontement des civilisations, le clash des civilisations. On disait que l'avenir va être fait de conflits entre des aires de civilisation. En réalité, ce n'est pas ce qui est arrivé. Ce qui est arrivé, c'est une décomposition. On est dans un monde qui se décompose. Qui se fragmente, en tout cas. Qui se fragmente. Et beaucoup de sociétés qui se décomposent. Les grands ensembles qui se fragmentent, y compris l'ensemble qui est le plus cher à mon cœur, qui est l'ensemble européen, qui traverse probablement la crise la plus grave depuis le début de la construction européenne, avec le Brexit, avec la montée des eurosceptiques un peu partout en Europe. Je vais revenir par l'intermédiaire de quelques lignes que j'ai trouvées absolument géniales dans votre bouquin. Parce que c'est là où vous apportez quelque chose de plus que les autres. Vous parlez de changement de valeur. C'est-à-dire que les peuples ont changé de valeur, comme vous l'avez fort justement dit. Ce n'est pas simplement les dirigeants. Je crois que les peuples, les gens, avaient envie d'avoir autre chose à affronter. Et alors, pour illustrer ce changement de valeur qui est très, très important, qui occupe tout le monde, vous parlez de La Fontaine. Jean de La Fontaine, dans la fable La cigale et la fourmi. Et vous dites, je vais vous laisser, mais qu'est-ce qu'était l'enseignement de la fable de La Fontaine lorsqu'on était à l'école ? C'est que la cigale, bon, c'est bien d'avoir une cigale ou deux, mais le monde ne tient que par la fourmi. Et si vous voulez contribuer à l'avenir du monde, il faut être fourmi, bien entendu. Quelques cigales ont leur place, mais le monde n'existerait plus sans fourmis. Et maintenant, on ferait un sondage. Dans des classes de 6e ou 5e, on dirait qui faut-il suivre comme exemple ? Qui préférez-vous ? 80% cigales. Qui a envie d'être fourmis ? C'est vrai. C'est absolument vrai. C'est formidable, je veux dire, d'avoir vu. Comment vous est venue cette idée ? Parce que je la trouve tellement éclairante, que pour montrer le changement total en quoi ? Une génération et demie, 30 ans. Comment vous l'avez d'abord niché et qu'en retirez-vous ? Non, je crois que nous tous avons en mémoire les fables de La Fontaine. Et c'est vrai que quand on relit cette fable, on a une toute autre idée de la leçon qu'on peut en tirer. Tout le monde, comme vous le dites, tout le monde a envie d'être cigale. Les cigales sont à l'honneur. Les fourmis sont méprisées, en réalité. Il me semble que
Nous sommes à une époque à la fois inquiétante mais passionnante. Il y a un monde qui a disparu. Il y a un autre monde qui va apparaître mais qui n'est pas encore là. Et nous sommes à cette phase entre deux mondes. Le monde d'hier qui est mort, le monde de demain qui n'est pas encore né. On peut le considérer comme un privilège pour nous de vivre cette période charnière, mais en même temps, c'est angoissant. Nous regrettons beaucoup de choses, pas tout, mais beaucoup de choses du monde qui a disparu, et nous ne savons pas à quoi va ressembler le monde qui vient. Et l'inquiétude est tout à fait légitime. Mais c'est nous qui faisons le monde de demain, non ? Vous en parlez comme si on l'attendait venu d'ailleurs. Non, mais je suis entièrement d'accord. Moi, je ne pense pas que l'avenir existe quelque part, voilà, et qu'un jour il va apparaître. Ouais. Je pense que c'est nous qui faisons l'avenir, c'est nous. Sauf que nous, c'est 8 milliards de personnes. On ne sait pas quelle va être la résultante, ouais, de tous les courants qui traversent ces 8 milliards de personnes. Comment se fait-il que toutes les inégalités dont vous parliez tout à l'heure aient pu prospérer à ce point, alors que toute la civilisation, depuis longtemps, avait été de rapprocher le plus possible, d'éviter, au nom de la religion parfois, au nom de nos devoirs d'humain, etc. Des tas de choses étaient intervenues pour qu'on n'admette pas ça. Vous savez, une des raisons pour lesquelles nous admettons les inégalités, c'est qu'il y a eu réellement un progrès. Je critique le dérèglement, le monde tel qu'il a été imaginé ou construit par la révolution thatchérienne. Mais il a aussi des aspects positifs. Cette révolution, dont nous voyons aujourd'hui beaucoup d'aspects négatifs, a permis un développement économique sans précédent, a permis une accélération des avancées technologiques sans précédent. Il a permis à des pays comme la Chine et l'Inde de sortir du développement. Je pense que ce n'est pas indépendant, c'est lié. En 20 ans, quasiment. C'est lié en 40 ans. En 40 ans, la Chine est devenue une grande puissance. D'ailleurs, à quel moment commence, je reviens à la question d'avant, à quel moment commence la nouvelle révolution chinoise? Décembre 78, Deng Xiaoping arrive au pouvoir et change complètement l'orientation qui avait été celle de Mao Tse-tung. Toujours à ce moment-là, il y a quelque chose qui a basculé il y a 40 ans et nous vivons dans le monde tel qu'il s'est construit à ce moment-là. Mais je reviens à la question. Si nous avons accepté les inégalités, c'est parce que le progrès a été réel. Nous avons beaucoup gagné à ce changement. On ne l'a pas imposé. Nous vivons tous mieux qu'il y a 40 ans. Il y a la vie a changé, notamment avec les nouvelles technologies. Nous voyons les avantages de ce qui s'est passé. Nous choisissons une société dont l'un des aspects négatifs est la montée des inégalités, mais ce n'est qu'un des aspects. Il y a d'autres aspects qui ne sont pas négatifs. Et nous acceptons les inégalités. En tout cas, nous les avons acceptées jusqu'à présent. Maintenant, nous commençons à nous demander si ça n'a pas été trop loin, s'il ne faudrait pas un correctif. Mais pendant très longtemps, on y gagnait finalement. Alors, il y a un autre point dans lequel on a... Alors là, vous dites qu'on a choisi le progrès finalement, et puis les inégalités, on verra plus tard, on va dire. Et puis maintenant, la chose revient dans l'autre sens. Et vous parlez aussi de tout ce qu'on a accepté depuis 20 ans aussi, peut-être 30 ans, de la restriction de nos libertés par le besoin de sécurité.
Et vous dites, on est rentré dans une période où vous vous demandez si on a bien mesuré toutes les pertes de liberté à laquelle nous sommes, dont nous sommes victimes. En fait, c'est là où la montée des tensions identitaires dans le monde a réellement affecté nos libertés et notre vie quotidienne. Orwell, dans son fameux roman 1984, imaginait un monde où on serait surveillé en permanence par des écrans, dans la rue, par le Big Brother, comme il l'appelait. Et dans son esprit, ça devait être le produit d'une tyrannie de type stalinien. En réalité, nous acceptons aujourd'hui d'être surveillés. Nous acceptons, quand nous traversons les douanes, d'être fouillés, qu'on nous demande d'enlever nos chaussures, notre ceinture. En temps normal, s'il n'y avait pas cette crainte qui est née depuis quelques années, nous serions outrés, nous serions révoltés, nous aurions dit mais pourquoi, je ne vois pas pourquoi. Et en réalité, nous acceptons beaucoup de choses. Nous acceptons qu'il y ait des caméras dans les rues. Et c'est là que la montée des tensions identitaires, et notamment à travers la violence, le terrorisme, a modifié notre attitude à l'égard des libertés. Nous avons moins tendance à défendre nos libertés parce que nous pensons, à mon avis, à juste titre, qu'il y a des risques et que pour faire face à ces risques, nous devons accepter certaines restrictions, certaines cette intrusion dans notre vie privée. C'est allé très loin. Au nom de la lutte contre le terrorisme, on a décidé de contrôler tous les comptes bancaires à travers la planète. Très peu de ces comptes avaient un rapport quelconque avec le terrorisme. Mais puisqu'on avait un bon prétexte pour le faire, on l'a fait, soit pour poursuivre des fraudeurs, soit pour d'autres raisons. Aujourd'hui, on peut écouter n'importe quelle conversation. On a vu que, sans nous le dire, que les États-Unis ont écouté les conversations de Mme Merkel ou de certains chefs d'entreprise français, coréens et autres. Ce n'était certainement pas le terrorisme. Mais à partir du moment où cette peur du terrorisme s'est installée, et encore une fois, c'était justifié d'avoir peur après tout ce qui s'est passé, on a accepté de réviser nos désirs de liberté à la baisse. Et avec le développement des technologies modernes, ça peut aller très loin. En Chine, par exemple, il paraît que... En Chine, il y a ce contrôle social qui fait qu'on a un capital. Un capital, je crois que c'est 500 points. Et si on se comporte d'une manière acceptable, le capital peut augmenter. Si on se comporte d'une manière qui n'est pas acceptable, ça peut diminuer. Juger non acceptable. Voilà. Alors, non acceptable, ça veut dire, par exemple, avoir des fréquentations dans des milieux d'opposants, etc. Ça peut être n'importe quoi. Et donc, nous disons que ça se passe en Chine. En réalité, ça peut se passer partout. Je pense qu'il y a des barrières non dites. Oui, mais à un moment donné, au fond, on l'a accepté. C'est-à-dire, au fond, le combat pour la liberté est en partie perdu de ce point de vue. Il est certain que le bourgeois français de la fin du 19e siècle était beaucoup plus libre que nous. Je pense que jamais nous n'atteindrons le degré de liberté qu'il pouvait avoir. Ça devient... Et malheureusement, de ce point de vue, les choses ne vont probablement pas s'arranger parce que les risques sont là, les moyens de contrôler ne cessent de se développer et nous vivons avec. Et même parfois, nous acceptons de bon cœur
d'ouvrir notre vie privée à travers les réseaux sociaux. Tous les moments de notre vie, nous sommes prêts à les ouvrir à tous les regards. C'est une autre civilisation qui n'est pas la mienne. Je ne sais pas comment ça va être à l'avenir, mais je la regarde avec une certaine inquiétude quand même. Alors, pour revenir juste à ce changement de valeur, on a vu pour les inégalités, pour la liberté, pour la religion, tout ce qui a changé chez nous. Là aussi, vous avez trouvé quelque chose, une image qu'on n'oublie pas. Et moi, les grands livres, j'ai tendance à me dire que quand il y a des images qu'on n'oublie pas dans un livre, c'est un grand livre. Vous parlez de Fontenelle. Alors, on n'est plus chez La Fontaine, on est chez Fontenelle. Fontenelle, c'est quelqu'un qui a vécu jusqu'à 99 ans à l'époque. Il a frôlé les 100 ans. Qui était le neveu de Corneille. Le neveu de Corneille. Et il avait écrit ça. De mémoire de rose, on n'a jamais vu mourir un jardinier. C'est beau, par parenthèse. Très, très belle phrase. Eh bien, vous dites-vous, maintenant, les roses voient mourir les jardiniers. C'est-à-dire, nous, les roses, mourir. Nous, les roses pensantes, nous vivons beaucoup plus longtemps, fort heureusement. Généralement, en meilleure santé. Nos civilisations ont une durée de vie moindre que la nôtre. Et donc, nous voyons mourir des civilisations, des peuples, des états, des langues. Des civilisations, des régimes. Des régimes. Ouais. Parce que quand Fontenelle disait ça, il disait la royauté, aucun vivant ne verra la royauté s'achever. C'était ça son raisonnement à l'époque. Absolument. Oui. On est dans un système, voilà. On meurt dans ce système, nos parents sont nés dans le même système. Et aujourd'hui, ce n'est jamais le cas. Ce n'est plus le cas. Et on vit, on traverse, chacun d'entre nous traverse des régimes différents, des cultures différentes. Je vis en France, j'ai vécu au Liban. Mon père, j'ai fait un livre il y a quelques années sur ma famille, sur la génération de mon grand-père et mon père. Quand j'ai retrouvé l'acte de naissance de mon père, il était en turc. L'acte de naissance. Mon père est né, c'était encore l'Empire ottoman. Et je me suis rendu compte soudain que j'étais le premier de ma génération à être né au Liban. Libanais. Libanais, je dirais. Libanais. Et bon, mes petits-enfants sont français. Et c'est vrai que dans une famille, aujourd'hui, on traverse le monde. Je parlais de mon grand-père. Mon grand-père avait, ils étaient 8, je crois, 8 frères et sœurs. Ils se sont tous mariés avec des gens de la famille. On épousait un cousin proche ou éloigné. Et 2-3 générations après, c'est le monde entier qui, quand la famille se réunit, il y a des gens venus des 5 continents. Des gens de toutes les religions. Il y a des Chinois, des Brésiliens, des Argentins, des Africains. Les familles, même une famille, devient à l'image du monde entier. Et ça, c'est arrivé en 40 ans. Quelques dizaines d'années. Et les roses ont vu les jardiniers mourir. Exactement. Alors, vous écrivez le naufrage des civilisations, c'est pas très sympathique, je veux dire, comme vision pour nous tous. Vous avez bien choisi ce titre, j'imagine que les mots étant votre spécialité, vous avez fait attention aux mots. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il dit à ses petits-enfants, Amin Maalouf ? Vous savez, Que dit-il ? Un naufrage, c'est une crise très grave, mais ce n'est pas la fin du monde. C'est-à-dire, après le naufrage, il y a des opérations de sauvetage, et puis on essaie de reconstruire sa vie. Et je pense que vous m'aviez demandé si le naufrage était évitable.
Je dirais qu'il y a un certain naufrage aujourd'hui qui n'est plus évitable. On y est probablement déjà. En revanche, ce n'est pas la fin du monde. C'est-à-dire, ce qui est important aujourd'hui, c'est de penser le monde d'après le naufrage. Sur quelle base on va fonder le monde? Quelles vont être les pensées, les principes, les valeurs sur lesquelles on va rebâtir le monde parce qu'il a besoin d'être reconstruit. Et alors, et c'est quoi? D'abord, il faut retrouver le sens de l'universalisme qui est en train de se perdre. Pour moi, le grand clivage aujourd'hui, c'est entre ceux qui considèrent qu'il y a une humanité qui a vocation à avoir un système de valeurs et ceux qui considèrent qu'il y a des humanités différentes qui ont chacune leur histoire, son système de valeurs. Moi, je pense qu'il y a une humanité et qu'elle doit avoir un même système de valeurs avec évidemment toutes sortes de différences culturelles, etc. Mais un système de valeurs universel. Et ça, je ne changerai jamais. Je pense que c'est le fond de ce que je pense, c'est ma raison d'être. Et je pense que là, il y a un vrai combat qui se livre dans toute la société, dans toutes les écoles politiques et autres. C'est-à-dire, on a beaucoup tendance aujourd'hui à mettre en avant les différences, à avoir à considérer que les différences qui existent sont destinées à durer indéfiniment, que lorsqu'il y a des populations qui sont différentes, le pragmatisme, le réalisme voudrait qu'on considère qu'elles seront toujours comme ça. J'entends souvent dire qu'il ne faut pas essayer de répandre la démocratie, les libertés, c'est presque un acte agressif que d'essayer de répandre des valeurs comme celle-là, et ce n'est pas ce que je pense. Et peut-être, comme vous le disiez au début, peut-être parce que j'ai vu un monde différent où les gens sentaient qu'ils appartenaient au même monde, quelle que soit leur différence, et que je ne peux pas accepter que l'on considère que ces mondes vivront indéfiniment séparés les uns des autres avec d'autres valeurs. Pour finir, une minute, vous avez sur vous, dites-vous, un Bristol qui ne vous quitte jamais. Petit Bristol. Ah oui, c'est vrai. Ce serait une honte si je ne l'avais pas aujourd'hui. Et là. Je l'ai. C'est un vers que j'aime beaucoup, qui a été composé par un poète arabe d'Andalousie, de la région de Denia, en Andalousie. Je vais le lire en arabe d'abord, si vous permettez, puis je lirai la traduction. En arabe, il dit « Ida kuntu min turaben, fa kulluha biladi wa kullu l'alamina aqaribi. » Et la traduction, c'est « Si je suis fait d'argile, le monde entier est mon pays et toutes les créatures sont mes proches. » Waouh. C'était un plaisir de vous accueillir, Amin Malouf. Merci d'avoir fait le déplacement à Pau. Merci à vous tous.